J'ai des larmes dans les yeux, j'ai envie de pleurer. Je ne sais pas pourquoi je suis triste. Je ne trouve plus mes jouets et j'ai entendu un grand bruit. Je n'aime vraiment pas être triste. J'aimerais retrouver la bonne humeur, changer ma tristesse en bonheur, sortir et jouer et bien m'amuser pour réaliser que ce n'est pas si grave. Un grand bruit. Je n'aime vraiment pas être triste. J'aimerais retrouver la bonne humeur, changer ma tristesse en bonheur, sortir et jouer et bien m'amuser. Ce n'est pas si grave, ce n'est pas si grave, ce n'est pas si grave. Tu es prête? C'est l'heure de partir à ton rendez-vous chez le dentiste. Mmh. Oh, n'aie pas peur, ma chérie. Elle va juste regarder à l'intérieur de ta bouche et vérifier que tu as bien pris soin de tes dents. Le dentiste est un docteur vraiment spécial que nous consultons toute notre vie. Nous ouvrons grand la bouche pour qu'il puisse vérifier que nos gencives et nos dents sont toujours en bonne santé. Bonjour, monsieur. Bonjour, je vous appellerai quand ce sera votre tour. Je vais patienter dans la salle d'attente en attendant que l'on vienne me chercher. Je pose mon manteau et je vais colorier ou jouer à des jeux pour ne pas voir le temps passer. Le dentiste est prêt à vous recevoir. Vous pouvez le rejoindre. La consultation va pouvoir commencer. Je grimpe et je m'allonge sur le fauteuil. La grande lumière s'allume, on dirait un spectacle. Quand on appuie sur un bouton, mon siège se relève. Elles sont superbes. À présent, je vais nettoyer et détartrer tes dents pour qu'elles soient encore plus belles et plus brillantes. Le dentiste vérifie que tout va bien en observant mes gencives et mes dents. Il détartre et polit, ça fait un drôle de bruit.
Mes dents resteront blanches et d'autres vont pousser. Je ne dois pas m'inquiéter si je fais tout ce qu'il me dit. Ça y est, c'est fini. Tu n'as pas eu peur, n'est-ce pas? Non! Parfait! Je vais te donner une nouvelle brosse à dents. Quelle est ta couleur préférée? Violet! Ok, voici une nouvelle brosse à dents violette et un autocollant pour avoir été une patiente super sage. Le dentiste est un docteur vraiment spécial que nous consultons toute notre vie. Nous ouvrons grand la bouche pour qu'il puisse vérifier que nos gencives et nos dents sont toujours en bonne santé. Dites bonjour à votre petit frère. Et à votre petite sœur.
Ma petite sœur? Mais alors, ça fait de moi? Je suis là, grande sœur, je suis là. Je suis le grand frère, je suis le grand frère. Est-ce que toi aussi tu veux un petit frère? Ah, ils sont là. Oh, est-ce qu'on peut prendre un petit temps pour jouer avec les bébés? Bien sûr que vous pouvez. Faites bien attention à eux. Je suis le grand frère. Je suis la grande sœur. Depuis que papa, maman sont rentrés de la maternité. Je suis le grand frère. Je suis la grande sœur. Maintenant j'ai une petite sœur. Maintenant j'ai un petit frère. Maintenant j'ai un petit frère. Petite sœur, rien qu'à moi. Tu vois, petit frère, c'est comme ça qu'il faut brosser les cheveux de ta sœur pour les rendre vraiment jolis. Je lui apprendrai à se coiffer. Je l'aiderai à coudre son doudou. Hé, hey, les enfants, c'est l'heure de faire une petite promenade avec les bébés avant de les mettre au lit. Ok, et nous, on s'occupe des poussettes. Car je suis le grand frère. Je suis la grande sœur et j'adore mon petit frère. Moi j'adore ma petite sœur et je serai le meilleur grand frère. Grande sœur. Grand frère. Grande sœur. De chacun d'eux. Ta bouche. Ha ha ha. Johnny, Johnny. Oui, papa. Manges-tu du sucre? Non, papa. Est-ce que tu me mens? Non, papa. Ouvre ta bouche. Ha ha ha. Johnny, Johnny. Manges-tu du sucre? Non, papa. Est-ce que tu me mens? Non, papa. Ouvre ta bouche. Ha, ha, ha. Johnny, Johnny. Oui, papa. Manges-tu du sucre? Non, papa. Est-ce que tu me mens? Non, papa. Ouvre ta bouche. Ha, ha, ha.
bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Loup y es-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Entends-tu? Entends-tu? Je mets ma chemise. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Loup y es-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Entends-tu? Entends-tu? Je mets ma culotte. Chapeau, je mets mes lunettes, je prends mon fusil et j'arrive. Promenons-nous dans les bois.